Bonjour Julien. Bonjour Baudouin. Nous sommes au salon de Rambouillet sur le stand de l'EICA et vous avez entre les mains une optique ERI qui est une nouveauté 2014. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler et nous donner un peu les grandes spécificités? Alors l'ERI est une lunette qui se fait à deux grossissements, 2,5 × 10 × 42 et 3,12 × 50, ouais. Avec un réticule lumineux pour chasser le soir, donc avec une intensité faible. D'accord. Très important, on est sur un tube de 30 mm. Relativement long pour faciliter le montage sur les carabines à verrou. Et une très bonne transmission de luminosité au niveau des lentilles, on est aux alentours de 91%. D'accord. Alors on dit le soir, pourquoi spécifiquement le soir? Est-ce que cette lunette elle est vraiment adaptée? Parce qu'en fait c'est vraiment un modèle pour la chasse à l'approche et à l'affût, puisqu'on a un réticule pour chasser le soir avec une intensité très faible pour pas que vous ayez votre pupille qui se dilate et que vous soyez aveuglé. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un modèle spécialement dédié pour la chasse du renard l'été ou du chevreuil ou du sanglier en fonction du diamètre que vous allez choisir. D'accord. Alors, quelqu'un qui chasse beaucoup à l'approche ou à l'affût, mais qui de temps en temps va chasser en battue, est-ce qu'il peut quand même utiliser cette lunette ou vraiment les spécifiques pour quoi ça peut? Alors, la 2,5-10-42, si vous la tirez relativement loin en battue, oui, je dirais une trentaine de mètres, oui. En deçà, le champ est quand même beaucoup moins important qu'une lunette de battue, donc ça risque d'être un petit peu gênant. D'accord. Ok. Et elle est disponible maintenant? Quand est-ce que les personnes peuvent la procurer? Elle est disponible chez les armuriers, il n'y a pas de souci, donc chez les revendeurs de l'EICA. Au niveau du tarif, on débute à 1 360 € sur le ERI 2,5-10-42 et 1 660 € sur la 3,12-50. D'accord. Donc pour tous ceux qui chassent beaucoup à l'approche et qui vont chasser par exemple les tels renards, on a cette optique ERI qui est particulièrement adaptée et c'est une nouveauté l'EICA 2014. Merci. Merci Baudouin.